Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette de salade de pommes de terre. Hein, je sais pas comment je vais l'appeler, j'hésite encore. Charcutière, paysanne. Alors dedans on a des pommes de terre, on a des dés de tomates, des cornichons et on a de la crépinette qu'on a coupée en petits dés aussi, qu'on a cuit avant et qu'on a cuit en petits dés. Donc encore une idée originale de salade de pommes de terre. Il y a 50 000 versions, je vous en ai déjà fait deux ou trois je pense, je sais plus, encore une autre version. Allez, on passe tout de suite à la liste des ingrédients. Donc on va commencer par notre sauce. Donc il nous faut un jaune d'œuf, 15 centilitres d'huile de tournesol, de la moutarde à l'ancienne et 25 centilitres de crème fraîche entière, du sel et du poivre. Allez, on est parti. Allez, on a pris un saladier, on a mis notre jaune d'œuf, on va y mettre de la moutarde à l'ancienne. Vous pouvez mettre de la moutarde normale, donc n'hésitez pas à en mettre une belle cuillère. Hop, un peu de sel, un peu de poivre. On va bien enlever tout ça et on va monter notre mayonnaise en mettant notre huile tout doucement. Hop, on a fini de mettre notre huile, on va mélanger un bon coup. Regardez comment c'est joli, avec les petits grains et tout là. Oh j'adore. On va y ajouter notre crème fraîche, parce que n'oublie pas que c'est pas une mayonnaise, c'est un assaisonnement. Donc on va mettre notre brique de 25 centilitres. Voilà, regardez. C'est parfait. Et là par contre on va regoûter pour assaisonner, hein, vérifier notre sel et notre poivre, hein, parce qu'on va oublier que la crème fraîche c'est quand même assez fade. Donc on vérifie, on salonne poivre s'il faut et on met de côté. Alors pour notre salade il va nous falloir bien évidemment des pommes de terre. Donc là j'ai 1 kg. Donc là je les ai épluchées, coupées en petits morceaux, en petits dés. Et moi je les ai cuits au cookéo, donc 14 minutes au cookéo. Vous pouvez les cuire à la vapeur. Avec un couteau, vous mettez votre pointe dedans, si c'est mou, c'est que c'est cuit, hein, tout simplement. J'ai mis quelques tomates, j'ai mis des cornichons et j'ai mis notre base de notre viande. Hein. Donc là, c'est des crépinettes que j'ai cuites et que j'ai laissé refroidir. Vous pouvez très bien faire la même chose avec des chipots aux herbes, hein, tout ce qui est à base de farce de légumes, de chair à saucisse. Ah, vous comprenez quoi. Allez. On est parti. Allez, j'ai pris un grand saladier, j'ai mis mes pommes de terre, je vais rajouter mes tomates que j'ai coupées en morceaux, je vais rajouter mes cornichons que j'ai coupés en rondelles, et je vais rajouter ma viande, hein, que j'ai juste coupée en petits dés. Vous voyez, rien de compliqué. Alors, je mélange. Je vais y mettre, facultatif, c'est pour faire joli, un peu de basilic j'ai mis. Non, pas de basilic. Un peu de ciboulette, pardon. Vous pouvez mettre du persil, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hop, moi je le mets congelé comme d'habitude. Hop. Et on assaisonne. Hop. On mélange. On met au frais, hein. N'hésitez pas à le mettre une ou deux heures au frais, que ça soit bien frais quand même. C'est une salade d'été quand même, hein. À la base, hein, après vous pouvez manger toute l'année. Et voilà, une idée de variante de salade de pommes de terre. Rien de compliqué. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette. Bisous, bisous.